Bon, je pense que cette subvention rentre dans le cadre de l'application d'une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et sa mise en œuvre participe de l'assainissement du paysage politique. Désormais que le paysage politique a été assaini et que cette loi-là est mise en œuvre, ça va permettre d'allouer aux partis politiques des fonds publics. Et ces fonds publics seront justifiés dans leur utilisation par les partis politiques. Ça ne va plus permettre à une seule personne de désigner de tout, mais ça va permettre au staff, au top management des partis politiques de pouvoir s'asseoir, de prendre les décisions. Ça, c'est une avancée très importante pour le gouvernement de la rupture. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'octroyer ces sous pour les partis politiques. Cela leur permettra de bien fonctionner. Cela leur permettra de souffler, en fait, un temps soit peu. Cela permettra aussi aux partis politiques de former des acteurs politiques pour travailler au sein des partis politiques. Ça encourage la vie politique. Et ça fait partie de l'animation de la vie politique aussi. Et il est temps qu'on arrête et puis la gabegie. Je crois qu'en faisant ça, l'État a mis un peu l'œil dans ce qui se fait en matière de partis politiques au Bénin. C'est une bonne chose, c'est une bonne action que le gouvernement a fait. Et nous apprécions ça et nous soutenons le président de son gouvernement pour que ça puisse aller de l'avant.